Soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. La franc-maçonnerie s'est structurée au fil des siècles autour d'un grand nombre de rites et de traditions. Elle se décrit, suivant les époques ou les pays, comme une association essentiellement philosophique et philanthropique, un système de morale illustré par des symboles ou un ordre initiatique. Organisée en obédience depuis 1717 à Londres, elle prodigue un enseignement progressif à l'aide de symboles et de rituels. Elle encourage ses membres à œuvrer pour le progrès de l'humanité, tout en laissant à chacun le soin d'interpréter les textes fondateurs. Bien que ses pratiques et ses modes d'organisation soient extrêmement variables selon les pays et les époques, sa vocation se veut universelle. Selon un recensement datant de 2000, il y aurait environ 4 millions de francs-maçons dans le monde. Voici un graphique représentant certaines de ces loges, mais il y en a beaucoup plus. Certaines loges sont uniquement ouvertes aux hommes, d'autres uniquement aux femmes, d'autres mixtes. Toutes ces loges ont néanmoins un aspect philanthropique et d'ouverture à la jeunesse. La franc-maçonnerie a eu un très grand impact sur les sociétés terriennes depuis des millénaires, et le grand public commence à comprendre de quelle manière, même s'il a tendance à considérer cette influence de manière complotiste. C'est justement pour essayer de vous présenter différentes perspectives sur ces groupes qui sont souvent secrets et qui, par conséquent, laissent le champ à des tas d'interprétations qui sont souvent erronées, que j'ai créé la série des vidéos sur le Nouvel Ordre Mondial et les groupes qui sont impliqués. Si toute personne peut postuler librement pour entrer dans une loge, la cooptation est de coutume en franc-maçonnerie. La plupart des postulants connaissent un membre de la loge qui leur a proposé de les instruire sur la démarche maçonnique et de parrainer leur candidature. Cependant, le processus d'admission est le même pour tous. Il faut être libre et de bonnes mœurs pour devenir franc-maçon. Le postulant aura généralement une entrevue avec le vénérable de la loge, puis, s'il n'y a pas de vote négatif, enquêté par différents membres de la loge, en général trois, pour évaluer si sa démarche est honnête, sincère, mûri et motivé, à l'issue d'une audition, sous le bandeau devant la loge réunie, celle-ci décide en toute souveraineté d'initier ou non un nouveau membre. En cas de refus, le ou les parrains aident le candidat refusé à analyser ce refus. Une fois le candidat accepté par la loge, il est reçu au cours d'une cérémonie particulière, qui peut être légèrement différente selon les rites, mais son déroulement consiste toujours
en une série d'épreuves qui mènent symboliquement le candidat d'un état d'obscurité, d'aliénation et d'enfermement à un état d'illumination, d'ouverture et de liberté. Les outils du grade ainsi que les premiers signes de reconnaissance lui sont alors enseignés et le profane devient apprenti. Les frères et sœurs sont d'abord apprentis avant de passer compagnons, puis d'être élevés à la maîtrise. Durant tout le temps où le nouveau membre sera apprenti, il ne lui sera pas permis de prendre la parole au sein de la loge. Il devra seulement écouter afin de s'imprégner de l'esprit des réunions. Je vous décris cette procédure d'admission pour que vous réalisiez que ce n'est pas une affaire prise à la légère et qu'il y a une vérification et un suivi de tous les membres. Tous revendiquent et partagent un certain nombre de valeurs. Ils sont liés par la fraternité et des idéaux tant éthiques que métaphysiques. L'esprit de tolérance fait partie des valeurs affichées par la franc-maçonnerie. Il est aussi important pour eux d'apprendre que d'avoir un esprit ouvert en étant conscient de leurs pensées et de leurs sentiments et en écoutant les autres. En France, la Grande Loge Mixte de France est une obédience maçonnique française réunissant des hommes et des femmes attachés à la liberté absolue de conscience. Le Grand Orient de France est un engagement humaniste, initiatique et fraternel. Tout autant que la Grande Loge de France orientée vers la spiritualité. La spiritualité et la tolérance sont omniprésentes dans le symbolisme et dans la démarche philosophique sur lesquelles repose l'ensemble de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie a fait l'objet de nombreuses critiques et oppositions aux motifs très variables selon les époques et les pays. Des critiques religieuses, des critiques politiques et les scandales liés au monde des affaires. La principale opposition religieuse s'est installée à l'origine de la franc-maçonnerie et provient de l'Église catholique qui considère qu'elle propage le relativisme en matière religieuse, c'est-à-dire l'idée selon laquelle aucune religion ne serait plus vraie que les autres. Le grand public, qui en général ne recherche nullement à étendre ses connaissances sur le sujet, ni à approfondir les arcanes de la franc-maçonnerie, la considère comme un groupe négatif et destructeur de société, à l'origine de la dépopulation ou de l'eugénisme. Et il est vrai que certains de leurs membres, dictateurs ou impérialistes, ont essayé de transformer la société terrienne en un mondialisme corrompu, élitiste. Mais d'aucuns pourraient aussi percevoir les francs-maçons différemment et transformer leurs valeurs en une source d'inspiration.
Tout cela, bien entendu, ne dépend que de vous et de vos valeurs profondes. Vous savez maintenant, car je vous l'ai répété déjà de très nombreuses fois, que l'agenda 2021 est en train de se terminer comme une roue arrive à la fin de sa rotation naturelle et tous ceux qui ont essayé de détruire nos sociétés ont été ou sont en train d'être soustraits de leur position de pouvoir. Ils sont remplacés par des clones, des acteurs ou des personnes qui travaillent d'arrache-pied avec les nouvelles alliances franc-maçonnes et les sociétés secrètes et les Illuminati qui ont conclu, tous ensemble, des accords fondamentaux entre l'Occident et l'Orient pour développer l'agenda 2030 orienté vers un monde polycentrique et un objectif commun pour augmenter la quantité et la variété de la vie, y compris la vie humaine. En utilisant des termes duels terriens, disons que l'agenda 2021 était régressif et négatif et le nouvel ordre mondial version 2.0 et l'agenda 2030 est progressif et positif. Donc ne perdez pas espoir et continuez à vous ouvrir à d'autres modes de pensée, y compris ceux que vous n'auriez jamais pensé aborder, car de ce côté-là aussi, de grands changements sont en train d'être opérés. Les quatre vidéos de la série Nouvel Ordre Mondial version 2.0 ont été spécifiquement conçues non seulement pour vous présenter les perspectives des différents groupes sous des angles différents que vous ne connaissiez pas vraiment ou que vous n'aviez jamais essayé d'approfondir. Mais également et surtout pour que vous vous interrogiez sur vos propres idées préconçues, vos a priori sur ces groupes, ou les affirmations, et la manière dont vous percevez votre réalité. Ces quatre présentations vous invitent à vous questionner sur vos idées toutes faites ou votre manière de penser par rapport à ce qui circule partout en ligne et sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas parce que c'est public et viral que c'est vrai. Cette réalité, créée par des millions de personnes, peut très bien être fausse et tout à fait à côté de la plaque. En percevant la réalité sous un angle spécifique, par exemple, celui de la théorie du complot, vous créez littéralement le complot. Et en adhérant à ce qu'il colporte, vous augmentez cette réalité, la créez de toutes pièces et y vivez. Et à partir du moment où vous percevez cette réalité sous cet angle, vous ne percevez plus le reste. Il est important pour avancer de manière créative et intelligente, de remettre en question les idées préconçues, les a priori ou les réalités que nous prenons pour acquises. Accepter de revenir en arrière, revoir son point de vue, prendre en compte des perspectives différentes, même si nous ne pensions jamais y prêter attention. Faire un bilan sur soi-même, sur une pensée, sur une décision ou une croyance, en prenant du recul pour pouvoir mieux avancer.
c'est recadrer ses choix, ses priorités, pour se réorienter vers une voie meilleure. Parfois, ce sont les autres qui nous invitent à aller dans cette direction et l'introspection. Et parfois, c'est au fond de nous que nous sentons que quelque chose est déphasé, un genre de malaise en sourdine que nous éprouvons sans en être totalement conscients. Remettre en question ce que nous pensions vrai ou se poser la question « Qui suis-je vraiment ?» Cela nécessite de l'audace pour méditer en profondeur, se connaître et accepter de se décentrer, accepter les choses dans l'instant, sans s'y attacher. Voici la ou les dates du direct. Je vous retrouve dans la vidéo suivante, la numéro 4 et la dernière de la série consacrée au Nouvel Ordre Mondial version 2.0 pour continuer à découvrir l'agenda 2030 et notre future société terrestre depuis la perspective des extraterrestres. Je suis Tim, l'un des porte-drapeaux d'une communauté planétaire. Je vous remercie et je vous salue respectueusement de cœur à cœur.